dark side. I wanna be your left hand man. Hey tout le monde! Je trouve mes cheveux ont du jaune dedans. Je suis vraiment dû pour faire mon shampoing. Shampoing bleu. Ouais, mais c'est l'éclairage aussi là. Parce que l'éclairage est hyper jaune. Et ouais, on est à la chambre d'hôtel. C'était tellement confortable, je vous dis, j'ai tellement bien dormi. Je disais à Anthony que la dernière fois j'ai dormi de même, je pense qu'on n'avait pas d'enfant. Parce que dans le fond, j'ai très bien dormi quand on a été en week-end avec Ford. On avait une horaire respectée. Mais c'est ça, fallait comme se lever, je me rappelle plus là, c'était levé dans les 7 heures. Fait que t'es comme pour aller déjeuner et tout, mais là on avait comme pas de limite de temps, là. Le check-out est à 11h, puis dans le fond, on s'est couché à 10h30, puis là, je mets mon cadran pour 9h30, ça. En tout cas, quand j'ai mis mon cadran, ça me disait qu'il restait 11h30 de dodo. Là, j'étais... Hein? Ouais, on les a quasiment toutes dormis. Moi, je me suis réveillée à 6h, parce que j'étais comme, mon dieu, il est quelle heure, t'sais? Puis il était juste 6h, j'avais l'impression de dormir énormément, mais c'est que, t'sais, c'est le fait que c'est sûr qu'il y a personne qui va te réveiller cette nuit. Comme, tu peux juste dormir. C'est vraiment différent. Okay, même si, exemple, aucun enfant se réveille, c'est pas pareil. Le sommeil est pas pareil. En tout cas, puis c'est ça. Je sais pas, c'est quand la dernière fois j'ai dormi autant d'heures collées. C'est fou, là. Fait que je suis vraiment contente. On a super bien dormi. Puis c'était très sombre. Là, on a fini nos bagages. Il est comme 10h35. Puis, ça, je vous dis, l'éclairage est hyper jaune. Je vais vous montrer. Dans le fond, je me suis pas maquillée. Je vais me maquiller dans l'auto plus tard. Parce que on va pour le jour de l'an, dans le fond, dans la famille Anthony. Fait que je vais me maquiller dans l'auto. Là, j'ai juste mis mes crèmes. Puis, je me suis frisée les cheveux aussi. Et je me suis habillée confortable. En fin de compte, j'ai mis mon mon pantalon de maternité, il est comme plié. Mon gros chandail que j'ai pris hier au Aerie. Mais il est tellement confortable, là, je vous le dis. Il est comme grand et lousse, mais j'ai pris large aussi, là. Puis, le collet, je l'aime full. Là, comment c'est fait, là. Puis, tu sais, il est comme... quand même long, fait que même avec ma bedaine, c'est comme ma bedaine, il y a vraiment de la place là. Puis il avait dans une couple d'autres couleurs, les seules autres couleurs que j'aimais, c'était le gris et le bourgogne, mais j'ai deux cotons wattés Calvin Klein qui ont comme un collet un peu de même, des mêmes couleurs. Fait que je me suis dit, je prends juste le brun, puis je vais juste le mettre vraiment beaucoup. Il est tellement confortable, là c'est comme tout mou. C'est ça que j'aime, ceux de Calvin Klein sont plus rigides genre, ouais. Je capote comment c'est confortable. On était en dilemme où aller manger, hein, Anthony. En fait, Anthony, il veut chez Victor. Il veut dîner chez Victor, mais c'est parce que c'est juste à côté de l'hôtel. On est en face de Place Laurier. Hein. Il y a du parking. Puis, je voulais essayer le comme restaurant déjeuner Luz. C'est ça. Mais ça, c'est comme déjeuner, puis l'autre, c'est dîner. Fait que, ben, déjeuner, dîner, puis l'autre, c'est... plus style dîner. Sauf que l'autre, il n'y a pas de parking. Genre, faut que tu te parques dans la rue, là. Parcomètre. Ouais, parcomètre. Mais c'est ça, tu sais, il faut trouver de la place. Puis c'est à 18 minutes de l'hôtel, fait que tu comptes 18 minutes aller. Puis après, c'est dans l'autre sens. C'est ça, fait que 18 minutes revenir. Fait qu'on va sûrement aller chez Victor. On va voir. Ce matin, on a mangé les petits macarons qu'on avait achetés hier. Dans le fond, hier, on a acheté le gâteau fromage, je vous l'ai montré. Puis des 6 macarons. Ouais. Il est 11h43 et c'est ça. On a été pour aller chez Victor, puis on a été dans le parking comme souterrain. Là. On s'est perdu. Arrivé là, ça disait que ça ouvrait à 11h30. Il est 11h43 et c'était encore fermé. Mais il n'y avait pas d'affiche comme que c'était fermé le 31. C'était clairement fermé. Là. Il y avait même le journal dans la porte. Là, fait que... c'est ça, pas une très belle expérience. C'est la deuxième fois. On est allé une fois avec mon père. C'est avec mon père, hein? À un autre chez Victor pendant le temps des fêtes. Mais c'était même pas le 31. C'était juste fermé tout le temps des fêtes. Fait que c'est ça. On a juste perdu. On a perdu une heure. Hein?
enfants. Fait que c'est ça. On s'en retourne au Cosmos qui est à côté puis qui est super bon. Donc on va pas prendre. Moi je prendrai pas la même chose qu'hier là. Moi j'adore le plat de trois pâtes. Hier j'avais pris une salade qui était hyper bonne aussi. Mais je pense que je vais prendre mes trois pâtes parce que c'était très bon. Vous tirez ma partager. Oui, c'est ça que je te dis. Sans demander l'autre. Prends l'autre à côté au pire. C'est drôle parce que c'est ça avec ketchup mayo, mais nous c'est un gros nom. Voilà, c'est des prix pasta, fait que c'est des penne arrabbiata, des milanaises puis un manicotti. Tout le monde, on est présentement peut-être à 40 minutes de la maison. On a fait notre premier arrêt, on a passé tout droit de Berthierville, mon dieu. Vraiment écouté. Anthony est en train de mettre du lave-glace dans l'auto parce que on en a manqué. Puis on avait de toute façon dans le coffre. Et on vient d'arrêter prendre un cappuccino glacé fait avec du lait. C'est vraiment littéralement meilleur, je trouve, avec du lait. Comme au début, je prenais avec du lait au lieu de la crème parce que c'est plus léger. Mais c'est littéralement, j'aime mieux le goût. Puis on a acheté des petites timbits aux enfants, les gâteaux d'anniversaire, c'est leur préféré. Puis on a acheté un bain à la mère Anthony. Elle aime bien ça avec la poudre qu'on y a pris ça. Là, on a sorti nos petits bonbons pour grignoter. Ouais, c'était vraiment bon le dîner, mon dieu. J'étais vraiment pleine. C'est une grosse assiette, là. Fait que... Oh, j'ai l'air malade. Mais ce soir, on n'ira pas fêter le jour de l'an dans la famille Anthony parce que Jayden est malade. Maverick n'est plus du tout malade. Il était un peu malade, mais là, c'est Jayden. Puis Jayden, lui, ben, il y a d'autres enfants, tu sais, on veut pas contaminer le monde non plus. Puis Jayden, quand il est malade, il est chiant. Fait que, tu sais, on va rester à la maison. Puis c'est ça. Fait qu'on va arrêter au IGA pour acheter du vinaigre de riz pour se faire des pokéballs pour souper. Puis on va sûrement se faire un petit fondue au chocolat. Tu sais, faire ça en famille. Puis ma mère Anthony est quand même pas mal fatiguée. Alors, il va sûrement aller reconduire demain. Tout le monde, il est minuit et demi. J'ai les cheveux tout humide de quand j'étais lavée. Je vais vous dire bonne nuit. C'était une belle année. J'espère que vous avez passé un beau réveillon. Moi, j'arrête pas d'éternuer puis de me moucher. J'ai mal à la gorge. Je suis comme un petit peu malade. Jayden est malade. On avait acheté des suppositoires tantôt. Fait que c'est ça. Il aime pas très ça. Fait que c'est ça. Puis on dirait que genre. J'ai full éternué comme si genre il y avait un choix dans la maison. Ce qu'il n'y a pas là. Puis là je viens de commencer à me gratter le genre là, le bras. C'est vraiment bizarre. En tout cas. Fait que c'est ça. J'ai passé une très belle année 2018 avec vous. Puis j'espère que vous allez m'accompagner en 2019 aussi. À travers notre aventure de notre famille qui s'agrandit. Fait que ça, je me souhaite une belle année 2019, puis je vous souhaite aussi une belle année de la santé. Fait que, à demain!